Hey, bonjour. Non. Et ça, c'est la... Tant pis. Kawaii, viens ici. Kawaii. Reviens, Phil. Bien. Il y a Phil qui est pas là cette semaine, du coup, on va s'occuper de son chien sans lui. Ciao. Bon, bienvenue pour l'épisode numéro 20. C'est un épisode qui va être récapitulatif. J'ai envie qu'on parle un petit peu ensemble de jusqu'à maintenant ce qu'on a fait, ce qu'on fera. J'ai envie de débriefer un petit peu aussi sur les actions qu'on a mises en place. Voilà, vous faire une sorte de petit check-up un peu de la situation. Mais pour l'instant, on va acheter à manger parce qu'il n'y a plus rien, mais plus rien à l'agence. Et une des règles de l'agence, c'est d'avoir un frigo tout le temps plein. Donc là, on va le remplir à ras-bord. Maintenant le challenge c'est de prendre des snacks pas trop malsains. Le but, on est quand même fermé ici, donc le but c'est de prendre des snacks sains. Il va falloir remplir le frigo de snacks sains et ça c'est un sacré challenge. C'est pas top Nico, choisis. Pour les personnes qui demandent encore, oui, je prends encore des shots de gingembre. Café. Merci de garder vos distances et de respecter la ligne d'arrêt aux caisses. T'as entendu, Luc? Garde la distance, Luc. Pas trop malsain. Non. Non, pas pour mec. S'il vous plaît. Merci mec. Pas mal. Je vais essayer de prendre une petite plante pour le bureau, t'es chaud. Vas-y. J'ai l'air d'avoir une petite plante, tu sais, dans les WC. On a un pot qui est vide en fait sur l'étagère. Du coup on va essayer de mettre une plante dedans aussi. C'est joli, je trouve. C'est un peu gros pour les WC. Hein. J'ai rien, une toute petite plante. Hein. C'est un petit bonsaï un peu là. Un petit Groot. Yes. Viens, bah, regarde la cop. Ici, il n'y a pas, tant pis. T'aimes bien ça? Un peu moche, non? C'est juste un peu de la mousse dessus, c'est bizarre. Attends, je rêvais vraiment d'avoir une petite plante, je suis un peu déçu. Mais... Tant pis, on oublie. On ira à Hornbach un de ces jours parce que là. Je pense qu'elle est contente. Hey, kawaii! Hey, kawaii! Tu rentres, Non. Reste là, tu restes. Bon, mission accomplie. Le frigo maintenant, normalement, est presque rempli. Checkez ça. On a des shots de gingembre, on a des yaourts protéinés, on a plein de jus de fruits, on a un truc kombucha spécial et des boissons protéinées au lait. Beaucoup de prot, mais au moins on a réussi la mission de prendre des snacks relativement sains. Maintenant je vais manger un petit truc et je vous reprends dans la journée pour qu'on parle ensemble des 19 précédents épisodes et de ceux qui vont arriver après. L'univers et tout, tu as une date? Genre quand ils ont été créés ou... T'as trouvé ça ou pas? Non. Un rasage à l'ancienne qui offre une qualité et une précision sans égale. Tu piques la vedette là? On est fin de journée maintenant, je l'ai annoncé ce matin, j'ai envie qu'on se pose un instant ensemble pour qu'on débriefe un petit peu les 19 précédents épisodes. On est déjà maintenant au 20e épisode, ça avance vite, c'est vraiment cool. Mais j'ai préparé plusieurs petits points que j'ai envie qu'on aborde maintenant dans cette vidéo ensemble. Pour commencer, on est déjà au 20e épisode.
Ça passe vite, ça passe bien plus vite que ce que je pensais. Mais je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. J'espère que vous le voyez aussi dans le montage des vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui monte 100% des vidéos. Des fois, j'ai un petit coup de main externe pour un regard externe d'un gars de ma team qui va m'aider un petit peu sur la structure et ce qu'on pourrait faire. Mais vraiment, en tout cas, le montage, c'est moi qui le fais. Et je me suis mis comme défi, plus ou moins, de pas prendre du temps que j'ai à l'agence pour monter ces vidéos. Donc, je le fais vraiment à la maison, le soir. Pour ça que des fois, je finis à 1-2 heures du matin à monter ces vidéos. Mais c'est vraiment un truc que je kiffe faire. Vraiment, c'est un truc où c'est pas que j'ai pas d'attente, mais la plus grande attente que j'ai, c'est vraiment le fait de kiffer faire ça, d'avoir du plaisir à le faire. Et pour l'instant, c'est une attente que je comble à 200% parce que j'adore faire ces vidéos. Et vraiment, je vous le dis, c'est que le début. J'ai plein de projets en tête. Donc pour l'instant, les choses évoluent dans le bon sens. Ensuite, peut-être que vous vous en rappelez, mais on avait lancé avec l'agence il y a quelques mois en arrière un service de coaching en personal branding pour dirigeants et dirigeantes d'entreprise. Ce service a bien fonctionné, on a eu très bons retours sur le début. Après, pour être transparent totalement avec vous, on a eu d'autres demandes de stratégie marketing, à savoir que c'est l'activité principale qu'on fait avec l'agence. Et du coup, bah forcément que notre focus s'est plus dirigé sur les stratégies marketing. On a eu moins de temps, ce qui est une bonne chose, j'ai envie de dire, mais on a eu moins de temps pour promouvoir le côté personal branding. Mais du coup, on a dû un petit peu choisir où mettre le focus et on l'a mis à 300% sur les services marketing qu'on a à offrir parce que c'est là qu'on a d'une part le plus de plaisir, le plus d'impact et aussi pour l'entreprise, stratégiquement et financièrement, c'est là où on s'y retrouve le plus. Mais le service personal branding avance bien, on a reçu plusieurs demandes, il y a une grosse entreprise avec qui c'est en discussion pour l'instant, vraiment c'est un gros projet, donc on verra. Mais vu que c'est moi qui gère à 100% ce côté personal branding, bah j'évite de trop me charger avec trop de coaching, parce que du coup plus je ferai de coaching, moins j'aurai le temps avec l'agence, avec les projets marketing qu'on a pour la création de contenu. Donc faut trouver un petit peu un bon équilibre entre quelques dirigeants dirigeantes à coacher, mais pas trop non plus, pour pas non plus que je sois débordé de tous les côtés. Ensuite, j'ai envie qu'on parle ensemble de l'évolution un petit peu de l'agence. J'ai commencé cette série Road to Success en juillet 2020. Ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai lancé. Quand j'ai lancé cette série, on était, pour la situation financière de l'entreprise, en plein Covid ou en pleine sortie de Covid. Donc on avait pris de plein fouet le Covid. La Covid, je ne sais jamais ce qu'il faut dire. Mais on a clairement morflé de ce virus, vraiment. Ça a été pour nous un arrêt quasiment total d'activité. Donc, dès que j'ai commencé cette série... Il y a le chien qui veut jouer. Dès que j'ai commencé cette série, je vais vous montrer un tableau maintenant qui s'affiche à l'écran. C'est l'évolution du chiffre d'affaires. Je suis pas encore super à l'aise à montrer les chiffres exacts et tout. Je vais le faire un jour peut-être s'il y a plusieurs demandes qui ressortent. Mais pour l'instant, je vous montre juste un tableau grosso modo pour vous montrer un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires qu'on a au sein de DER. Donc bien évidemment, vous verrez que sur la fin, il y a une courbe qui se casse la gueule. C'est la période Covid. Et quand j'ai commencé la série Road to Success en juillet, on était vraiment quasiment au plus bas de notre situation avec DER. C'était vraiment très très dur mentalement, financièrement. C'était vraiment, voilà, il fallait vraiment mettre le poing dans la poche, il fallait serrer les coudes, il fallait tout faire pour que ça fonctionne. On s'est accroché à fond, on s'est accroché comme des fous, on a cru à la vision, on a gardé espoir, on a gardé confiance. Vraiment, ça a demandé beaucoup d'efforts, mais on y est arrivé. Et maintenant, si vous regardez, la pente, enfin la courbe remonte d'une façon, on va dire, très très bonne, explosive même. On a plein de projets gauche-droite qui se mettent en place. Du coup, je dirais que maintenant, vraiment, je suis ultra reconnaissant d'avoir une aussi belle équipe, d'être entouré d'aussi belles personnes. Et vraiment, c'est très motivant pour la suite. Il y a des clients qui nous font confiance, des anciens clients qui sont revenus, de nouveaux clients qui viennent d'arriver. Et vraiment, je suis trop reconnaissant. On bosse dur, on bosse très très dur. Franchement, j'ai jamais autant mis d'efforts dans mon entreprise. Et vraiment, je sens que c'est maintenant qu'il faut tout faire. Donc là, j'investis 300% de mon focus dans ce projet-là, dans DER. En tout cas, je suis là. Pour l'instant, je suis très content de ce qui se passe. Vraiment, je suis optimiste pour la suite, même très optimiste. Il y a plein de portes en plus qui sont en train de s'ouvrir. Donc vraiment, pour l'instant, DER avance dans le bon sens, même dans le très bon sens. Ensuite, j'ai envie qu'on parle ensemble d'un feedback de l'évolution de la série Road to Success jusqu'à maintenant. Donc pour être transparent avec vous, j'en ai un peu marre de ces transitions que je fais durant les rendez-vous. Où je vais à un rendez-vous, je prends la caméra, je dis maintenant rendez-vous avec tel et tel. Et à la fin du rendez-vous, je repars. Waouh, c'était cool, super, merci à tous. Parce que du coup, je trouve que ça manque de transparence. Je rêverais d'être plus transparent avec vous. Je rêverais plus vous montrer un petit peu le rendez-vous, ce qui se passe, les discussions, ce qui se dit, l'issue du rendez-vous. J'ai un petit peu peur toujours de perdre un client à cause de cette série. Maintenant, si par exemple, je sors d'un rendez-vous client et que je dis j'ai vu telle boîte XY, c'était super cool, vraiment, j'ai adoré le contact. C'est un gros projet potentiel, il a l'air super intéressé. Et imaginez, le gars voit la vidéo en question. J'ai juste peur en fait que ça influence négativement la situation et sa décision.
et que je puisse du coup indirectement perdre un client à cause de Road to Success. Ça serait un petit peu con, ça serait un petit peu un jeu de mots assez triste, mais du coup c'est pour ça que je vais essayer un peu plus d'embarquer les clients, les partenaires que j'ai maintenant et que je risque d'avoir dans le futur dans cette série. C'est une ambition que j'ai, il faut que je prenne le temps de le faire, il faut que j'essaye de le faire, mais que je trouve une bonne façon pour le faire sans frustrer, sans gêner ou sans mettre de malaise dans la relation client qu'on a actuellement. Mais vraiment, je rêverais aussi de vous dire, on bosse avec telle boîte, on bosse avec tel projet. Je vais essayer de le faire, je vais commencer à demander un peu à nos clients s'ils sont d'accord que je les mentionne dans ces vidéos ou que je m'affiche avec leur logo. Mais maintenant voilà, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui sont un petit peu, qui font attention, qui veulent pas trop se rendre visibles non plus. Du coup, il faut que je trouve une bonne façon de le faire. Mais je vous le dis franchement, c'est dans mes ambitions, c'est dans la vision que j'ai. Et je vais essayer de rendre cette série aussi transparente que possible. Maintenant, parlons ensemble de la suite de cette série. Oui, j'ai pris une petite note avec plein de points que je vais mentionner dans la vidéo maintenant. Mais la suite. Dans les gros projets qui vont arriver dans la suite, il y a pour commencer, peut-être, éventuellement, le déménagement de l'agence. Pour l'instant, on reste là, on est très bien ici, mais on a eu quelques propositions, on a vu quelques endroits très sympas avec des hangars, avec une mood un peu plus américaine, vraiment avec un hangar assez brut. Donc on a quelques pistes de réflexion, pour l'instant on reste là, on est vraiment très bien ici, c'est un petit coin de paradis, on est au centre, mais pas trop non plus. C'est un quartier qui est vraiment très calme, il y a des places de parc juste devant, il y a plein de lumière, bref, c'est juste un spot parfait. Mais voilà, on a un petit peu la vision d'agrandir l'équipe. On a des projets qui se profilent à l'horizon. Du coup, on verra un petit peu selon l'évolution, mais on risque peut-être de déménager. Donc pour l'instant, on verra, mais en tout cas, c'est un projet qui est potentiel. Les habits, on va les recevoir tout bientôt. Il y a un peu de retard dans la commande, mais on va les recevoir normalement cette semaine ou au plus tard début de semaine prochaine. Mais dès que je les ai, je pourrais vous les montrer. On a fait un truc vraiment badass, vraiment badass. Vous verrez, hoodies, t-shirts, ça va envoyer du lourd, mais du lourd. Et le but, c'est de brander un peu la team, d'en offrir à nos clients, nos partenaires, qu'on puisse un petit peu ensemble, voilà, véhiculer ces valeurs d'air au quotidien. Et pour terminer, dernier petit point que je voulais aborder dans cette vidéo récap, épisode numéro 20. Je voulais vous dire un monstre merci du fond du cœur. Vraiment, je suis trop reconnaissant. Vraiment, même si maintenant on est en guillemets que 2400 et quelques, je suis trop reconnaissant. Vraiment, c'est un truc que je kiffe faire. J'adore ça. Merci pour vos retours, merci pour vos partages. Si vous êtes nouveau sur la vidéo, sur la série, abonnez-vous, c'est que le début. Vraiment, du fond du cœur, un grand merci à toutes et à tous. J'en suis très reconnaissant. Maintenant, sur mon petit point récap, Road to Success personnel, sur mes trois piliers, à savoir le bien-être, l'amour et le travail. Le travail, ça avance très bien. Je suis vraiment super content de ce qui se passe. L'amour, ça va très bien. Je passe plein de temps avec ma chérie, avec mes proches. Donc c'est juste top. Maintenant, le bien-être, je dois avouer un truc. Je vais vraiment pas assez au fitness ces temps. Je trouve pas le temps, bien non. Je ne veux pas trouver le temps. Je suis très focus business. Je suis trop focus entreprise. Du coup, je vais ce soir corriger cette erreur et aller me faire une grosse séance beast mode. Maintenant, je file au sport. Je dois récupérer ma chérie. Et aujourd'hui, je m'occupe d'une personne très importante. Le chien à fil. Elle s'appelle Kawaii. C'est le chien à mon bras droit. C'est un husky. Et du coup, je le garde maintenant pendant 2 jours parce que Phil a la protection civile pendant 2 jours. Du coup, je suis dog-sitter maintenant. Let's go! Let's go! T'es contente? T'es contente? Hey! Yeah. Bonjour, Kawaii! Coucou! Bonjour, bébé! Bonjour, bébé! Ça va? Oui, et toi? Ça va bien. Après un petit passage à la maison, il est temps maintenant de se mettre en mode beast mode. Donc beast mode dans 3, 2, 1. It's not a purse, it's a merch. 6 figures, what's a gold? Now it's 9 or a hearse. Put it work. Used to pull up, not swerve. No time for the snakes. Time to put them in the dirt. That's work. I gotta get it, it's in my DNA. You only see the highlights, don't know what it takes. Last year, stressing, got no sleep. Now I'm right between the courts, out of nosebleed. Yeah, I see the hate, they don't wanna see me win. Bank deposits, I got more coming in. Top down, throw the money in the wind. I don't. Heard these scammers had to switch up the accounts. Moving paper, gotta call in my account. It's all in, I can have it coming out.
Séance terminée. Et c'est sous la pluie que je vais clôturer cet épisode numéro 20. Il pleut à fond là. Je suis content, j'ai fait une bonne séance. J'ai réussi à bien me défoncer. Maintenant, je vais rentrer à la maison, chiller un petit peu, commencer à monter cette vidéo. Et on se retrouve tout bientôt du coup pour l'épisode numéro 21. N'oubliez pas un truc, souris à fond, ça fait une immense différence. À bientôt. Ciao à tous.